Shalom, peuple de Dieu, la grande famille de corps de Christ. Je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours à Jérusalem. Ici, c'est l'endroit où précisément le Seigneur Jésus-Christ était sur l'ânesse que les disciples sont allés prendre à Bethphagé. Cette ânesse qui était attachée, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, si le maître vous demande, son propriétaire vous demande, dites-lui, le maître Rabouni en a besoin. Et voici, le Seigneur Jésus-Christ est monté sur cette ânesse. Il est arrivé à cet endroit et il a regardé la ville de Jérusalem. Il a pleuré. Il a dit, oh Jérusalem, si tu avais saisi ton temps de visitation. Jérusalem n'avait pas saisi son temps de la visitation de Dieu. Il a rejeté le prince de la paix, le Seigneur Jésus-Christ. Et voici plus tard, le temple a été détruit. Plus tard, les Juifs ont été déportés. Et plus tard, Hitler a tué même les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté le Messie. Bien-aimés, ne rejette pas. Le temps de ta visitation, c'est maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ revient, il est à la porte. C'est maintenant qu'il faut choisir le Seigneur Jésus-Christ et marcher dans la sanctification. Je vous invite la fin du mois de juillet, début août, pendant que les enfants sont en vacances, venez avec nous ici en Israël pour marcher là où le Seigneur Jésus-Christ avait marché. Je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Toda Rabba. Shalom, shalom, shalom.